Bonjour à tous, excusez-nous. Hop, j'étais en train de me battre avec mes écrans, mais je vais y arriver quand même. Voilà, ça y est. Donc, bienvenue sur ce nouveau webinaire Manage Educ. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, parce qu'il y en a déjà. Bonne reprise à ceux qui ont repris depuis lundi. Et je dirais, on tient bon pour ceux qui seront en vacances lundi. Avant qu'on démarre complètement, je propose que chacun fasse un petit tour de table très vite. Et puis, je présenterai un peu le thème de ce webinaire par la suite. Qui commence Hélène? Donc brièvement, Hélène Romano, je suis docteur en psychopathologie, habilitée à diriger les recherches. C'est-à-dire que je suis psychothérapeute, praticienne, j'y tiens, mais chercheur. Donc ce que je vous dirais, c'est issu de la recherche. C'est pas que ma pratique clinique. Et je suis docteur en droit et en sciences criminelles. Je suis assez connue pour avoir beaucoup travaillé sur la question des protocoles de prise en charge des enfants victimes d'événements traumatiques avec Thierry Beauvais sur la Seine-Saint-Denis, puisqu'avant ça n'existait pas. Et la plupart des dispositifs de gestion de crise en milieu scolaire sont issus de mes travaux et de ceux de Thierry Beauvais. Et puis, j'ai pas mal travaillé avec Éric Debarbieux sur la question scolaire, sur le harcèlement, compris comme une souffrance des liens, avec des modalités d'approche particulières sur cette question de la souffrance des liens. Pour faire court. Voilà, Laurent, si tu veux bien te présenter. Bonsoir, Laurent Kaufmann. Je suis principal en Seine-Saint-Denis d'un collège en éducation prioritaire et j'ai eu l'occasion d'avoir à gérer, comme beaucoup d'entre nous finalement, un certain nombre de crises majeures ou mineures qui se sont révélées majeures. Et donc, j'essaierai d'éclairer aussi avec le regard du terrain, le partage que nous allons avoir avec Hélène sur la partie recherche et théorie. Merci. Et donc, Pascal, Gilles de mon nom, qui a été pendant 13-14 ans chef d'établissement, qui l'est encore en partie. Simplement aujourd'hui, je suis directeur adjoint du campus des métiers et des qualifications dans le patrimoine et l'artisanat d'excellence, donc à Versailles, qui est une structure un peu pilote, j'allais dire, pour essayer de valoriser, bien sûr, d'une part, toute l'offre publique sur l'Académie de Versailles sur ces métiers, et d'autre part, essayer de créer un certain nombre de formations pour aller très vite. Ce webinaire, alors, pour certains, vous en avez l'habitude, n'hésitez pas à chatter, à écrire vos remarques, vos questions, sachant qu'il y a derrière ce qu'on est en train de faire, Guénolé, qui est un peu le monsieur loyal, technique, je ne sais pas comment dire, de ce temps-là, et qui saura nous alerter s'il y a des difficultés. Ce webinaire, donc, il est proposé par l'association SYNLAB, que vous connaissez certainement, association de passionnés de l'éducation, et qui relie à la fois des professeurs au travers d'une communauté très importante qui s'appelle Être Prof, pour laquelle Hélène intervient même régulièrement, et puis une communauté de l'ordre de 3 500 personnels de direction et inspecteurs, voire directeurs d'école, qui sont reliés par la communauté Manage Educ, qui propose donc des webinaires, qui propose des ateliers et qui propose un certain nombre de dossiers et d'écrits que vous pouvez trouver. Une partie est sur abonnement. L'idée étant que le modèle économique nous permette quand même de fonctionner. Voilà. Et donc le thème d'aujourd'hui pour aller vite est autour de la résilience. L'idée, c'est de se poser la question de cette période très particulière et on le voit bien et encore aujourd'hui, moi je voyais dans nos réunions, est-ce qu'on met un masque, est-ce qu'on met pas le masque, est-ce qu'il y en a qu'un qui le met pas, est-ce que, enfin voilà, on sent que on est dans un entre-deux et que tout n'est pas fini, mais quand même on essaye de se remontrer un peu nos sourires. Ça c'est le premier point. Et donc essayer de réfléchir à cette période particulière. Ça nécessite dans un premier temps, bien sûr, et je crois qu'Hélène nous aidera beaucoup sur cette question-là, d'essayer de définir ce mot qui est beaucoup utilisé là actuellement, de résilience. Et puis ensuite, on essaiera de voir effectivement ce que ça traduira et on pourra questionner Laurent sur ces questions-là dans l'établissement scolaire, comment lui voit, voire ne pas hésiter les uns les autres à nous faire remonter aussi un peu vos idées, enfin voilà, vos questions précise. On n'est pas des sachants qui auraient toutes les solutions. Par contre, on est persuadé que l'intelligence collective est quelque chose, est certainement la seule solution valable pour cette période.
Voilà. J'ai déjà beaucoup parlé. Et pour finir, donc ce temps, pour ceux pour qui ça serait la première visite, ce temps durera 1 heure maximum. Vous pouvez retrouver le webinaire enregistré. Restez quand même. Pour nous, c'est rassurant de se dire qu'on ne parle pas à trois. Voilà. Même si on a toujours du plaisir à, on est un peu préparé. Donc, je suis sûr qu'on aurait du plaisir à être à trois, mais le plus on est, le mieux c'est. Et puis, donc, au bout d'une heure, c'est-à-dire à peu près vers 19h, on se dira au revoir. Voilà. Hélène, je vous laisse peut-être revenir dans un premier temps sur effectivement cette question du retour à la normale. Quelles difficultés pourraient apparaître? Est-ce qu'on peut faire des parallèles avec des situations déjà un peu existantes? Et puis n'hésitez pas en prenant la parole à vous présenter peut-être un peu plus si vous le souhaitiez, si ça vous semblait utile. Merci. Alors rapidement déjà, je vais dire une chose qui peut paraître insécurisante, c'est qu'on n'a pas de recul, puisque c'est la première fois dans l'histoire mondiale récente qu'on a une telle pandémie et de tels enjeux sur une durée aussi longue. Donc, on n'a pas un comparatif avec d'autres catastrophes sanitaires qui avaient conduit, comme Ebola, des confinements partiels, où on a quand même eu un petit peu des retours dans les zones qui avaient été confinées ou le SRAS sur des périodes courtes. Là, ça fait 2 ans. Donc, on ne sait pas comment on va, ce que ça va donner, et c'est à nous de construire, et c'est le côté positif, c'est qu'on est là aussi pour faire preuve de beaucoup de créativité. Alors, peut-être un mot par rapport au titre du webinaire, c'est de redéfinir la résilience, parce que la résilience, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Boris Cyrulnik, qui a vulgarisé ce terme-là et qui est éthologue, spécialisé en comportement animal. La résilience, c'est un mot qu'on utilise de façon un petit peu magique actuellement pour tout dire, et j'allais dire n'importe quoi. Même les glaciers sont résilients. Et c'est peut-être important de ne pas trop confondre ce terme. Au niveau psychique, ce n'est pas du tout le terme initial, parce que initialement, la résilience, c'est la qualité d'un métal à se déformer et à revenir à son état initial. Et c'est un terme qui a été utilisé dans les années 60 par une psychologue qui travaillait dans les favelas et qui s'est rendu compte que des enfants qui étaient dans la rue dans des conditions épouvantables, 30 ans plus tard, avaient fait leur vie de façon, alors ça c'est les référentiels aussi sociaux, sereine, c'est-à-dire qu'ils avaient un métier, une femme, des enfants, ça paraissait tout à fait serein, alors qu'ils avaient, dans leur enfance, été prostitués, été pris par des réseaux de drogue, des choses épouvantables, ils s'en étaient sortis. Et à l'époque, il y avait une guerre qui continue encore d'une certaine façon idéologique avec la psychanalyse, avec les référentiels psychiatriques, et elle s'est dit « je ne veux surtout pas un terme psy ». Donc, on parlait de vulnérabilité, de capacité de résistance à l'époque. Et elle a dit non, surtout pas ce terme-là, un autre terme. Et elle a trouvé le terme de résilience, qui est un terme qui maintenant est entré un petit peu dans les mœurs, mais avec un décalage sur la réalité qui fait que certaines fois, on a l'impression que la résilience, c'est l'oubli. On passe à autre chose. Et on va voir que travailler la résilience dans nos établissements scolaires, c'est penser P-E-N-P-A-N, la pandémie et tout ce qu'elle a bouleversé de positif et de négatif dans le temps. Et la temporalité va être un enjeu fondamental. Donc, au niveau psy, la résilience, c'est un processus, donc ça se pense dans le temps, en deux temps. On résiste, on supporte, on survit, on dépasse, les termes que vous souhaitez, un événement douloureux, difficile, épouvantable, qui a pu nous confronter à la mort, et ça, c'est un événement traumatique. Alors, la pandémie Covid ne nous a pas tous exposés au même niveau. Dans vos établissements, vous avez peut-être vu les nombres de personnes décédées, des gens endeuillés. Vous avez probablement des enfants orphelins. Moi, j'en prends en charge un certain nombre qui ont perdu un parent. Donc, la mort a été très présente. Et puis, il y a la mort qui était l'ambiance très mortifère avec les masques, les gels, cette énumération en mars-avril 2020 du nombre de morts, était très présente. Donc, la dimension traumatique au sens de confrontation à la mort, elle est là. Elle est différente que lorsqu'il y a la mort dans l'établissement, mais ça ne veut pas dire qu'on va la banaliser. Donc, la résilience, je fais face à un événement et le « et » est très important, je le dépasse, c'est-à-dire je reprends le cours de ma vie, pas comme avant, si j'avais comme avant, mais j'arrive à reprendre sens à ma vie, à avoir envie de faire des choses, à me projeter dans mes études, à avoir envie de continuer mon métier d'enseignant, de chef d'établissement. La vie reprend du sens positif. Et là où c'est important, c'est que la résilience, on sait qu'on est résilient quand on est à nouveau confronté à une épreuve et qu'on a appris de la première. Donc, c'est en deux temps la résilience. Ce n'est pas juste avoir dépassé ce qu'on entend souvent,
c'est faire face et dépasser des épreuves. En psychologie, c'est faire face, dépasser les épreuves et avoir appris de cette expérience. Et là-dessus, vous avez en tant que chef d'établissement, avec vos équipes, un rôle fondamental pour nos enfants, les élèves, pour leur permettre de réaliser qu'au-delà de ce moment très difficile, compliqué, qu'ont pu vivre les élèves et les professionnels, on va avoir appris quelque chose. Et ce « et », il est très important. Donc, je pense essentiel au début de cet échange de rappeler ce qu'est la résilience. Au niveau scolaire, il n'y a pas d'études quantitatives. On a des études qualitatives qu'on a faites avec Thierry Bobet, entre autres sur la question des décès en milieu scolaire, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui peut aider, qu'est-ce qui peut être compliqué, qu'est-ce qui limite les troubles, qu'est-ce qui va les aggraver. Ça, on a une expérience. On n'est pas très nombreux en France à avoir travaillé sur le sujet, mais on a une expérience qualitative plus que quantitative en milliers de situations. Par rapport à la pandémie, je ne vous mentirai pas, il y a actuellement plus de 3600 recherches en cours au niveau des conséquences de la pandémie sur la population, enfants et adultes et les élèves. Il y a des études encore en cours. Il y a des biais méthodologiques majeurs. Je pourrais vous en dire, vous donner les grandes lignes de ces études, en sachant qu'il y en a encore beaucoup qui vont être publiées. Donc, on sait qu'il y aura des conséquences. On sait qu'il y en a déjà. Et l'idée, c'est, si on met le curseur un peu sur le côté résilience, c'est pas d'être dans le déni, c'est pas d'être dans la banalisation, c'est pas d'être au pays des bisounours, mais d'être positif. On est dans la réalité et qu'est-ce qu'on fait avec cette réalité-là? Ouais, donc si j'entends bien, et je pense qu'on est à peu près tous à le ressentir, il y a cette incertitude majeure, très clairement, à la fois de vivre une période exceptionnelle historiquement, comme vous l'avez dit, mais aussi, bien sûr, de ne pas avoir eu encore le temps d'avoir des retours complets, même si je suis pas sûr qu'on en ait toujours, parce qu'il y a toujours un peu de controverse, mais très clairement sur la question. On évoque et on entend souvent effectivement la question de, et ça on peut peut-être la poser à Laurent, de ce retour à la normale, et on voit bien qu'à la limite on attend presque le go qui va nous dire, ben voilà, je sais pas si c'est le 15 mars, mais allez, plus de masques dans la classe, bien sûr, il y a plein d'endroits où il y en a déjà plus dans la cour, on peut remanger comme on le veut, enfin bon, tout revient à la normale. Laurent, qu'est-ce que tu en penses de ce retour à la normale? Alors, je pense qu'il est espéré énormément, mais il n'est pas advenu. Et merci Hélène pour cette mise en perspective. Notre rôle en tant que chef d'établissement est complexe parce que il faut à la fois qu'on soit encore les garants d'un cadre sanitaire qui s'impose et qui va s'alléger, qui s'allège déjà, mais qui reste important, et qu'on donne aussi un cap à nos collègues, l'ensemble des collègues, l'ensemble des adultes, c'est important d'insister là-dessus, hein, c'est une communauté éducative, pour être contenant les uns les autres et pour être contenant avec les élèves. Parce que je pense que c'est aussi une des plus grandes difficultés aujourd'hui. Et effectivement, comment inscrire notre action dans l'idée que le retour à la normale, il va se construire. Il va pas arriver effectivement en un claquement de doigts. Je crois aussi qu'on part pas d'une page blanche, parce que on a quand même beaucoup appris d'un certain nombre de crises que le pays a traversées. Je pense aux attentats de 2015, où en Île-de-France, on a été de très fortement impacté à certains endroits, à moins directement, mais en même temps, voilà, il y a eu des choses qui se sont passées. C'est sur le territoire national, Toulouse, l'usine AZF a été quelque chose de aussi très très traumatique. Enfin, on ne part pas d'une feuille blanche, et je sais que dans les gens qui nous écoutent, on a tous eu à gérer des petites ou des grandes crises. Et comme le dit Hélène, effectivement, il y a le temps où on fait face et le temps où on reconstruit. Et là, je crois que c'est ce à quoi on croit aussi à ManageEduc, c'est qu'il faut se mettre dans des dynamiques collectives, et que en tant que chef d'établissement et en tant qu'équipe de direction, moi j'insiste beaucoup sur cette idée-là, c'est d'être effectivement pas dans le déni. Nous, ce qu'on essaye de faire sur l'établissement où je travaille, c'est d'écrire, c'est-à-dire écrire sur ce qui nous est arrivé. On a pris cette formule-là. Certains collègues s'en sont emparés dans les classes avec les élèves, d'autres l'ont fait pour eux, d'autres l'ont fait sans en parler, d'autres ne l'ont pas fait, il n'y a pas d'obligation. Mais je crois que la première chose, c'est qu'effectivement,
en tant que responsable au sens large de l'établissement, c'est qu'on soit dans cette logique d'accompagnement et d'être au plus proche du réel, c'est-à-dire être conscient qu'il nous est arrivé quelque chose dont on ne mesure pas encore aujourd'hui, comme l'a dit Hélène, l'intégralité des effets. Et j'ai l'impression qu'on a cette règle qui est effectivement, quand un établissement assume une crise, et comme tu le disais, on commence à avoir une expertise professionnelle quand même, ce qui n'était pas le cas il y a peut-être 10-15 ans dans les établissements sur la gestion des crises. Cette phase, et je parle sous le contrôle, enfin j'aimerais bien avoir l'avis d'Hélène sur cette question, mais cette phase qui est importante, qui nous permet d'une part d'entendre les élèves, parce que je crois que c'est notre rôle, pour qu'ils puissent à un moment donné exprimer ce qu'ils ont vécu. Parce que je crois que l'enjeu, c'est pas obligatoirement ce qu'il s'est réellement passé, mais bien la façon dont ils l'ont perçu. Et on sait très bien, on passait du rapport à la mort, on sait très bien qu'il y a certains élèves qui peuvent avoir très vite le besoin d'exprimer des choses. L'autre, le délai va être peut-être plus long, peut-être qu'il ne va jamais arriver, mais qu'il faut toujours qu'on soit vigilant sur cette question-là. Et j'ai l'impression qu'il y a Hélène, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a cette nécessité-là, peut-être d'ici la fin de l'année scolaire. Et une collègue disait, mais quand j'arrive, moi j'arrive dans l'établissement, j'ai pas obligatoirement son vécu, elle a vécu la crise sans moi pendant plus d'un an et demi, là ça redémarre, enfin bon, comment je me positionne, ça c'était dans le chat. Je pense que le positionnement de dire on va essayer de se faire un bilan et laisser une trace à un moment donné, qui est peut-être artistique aussi, je me souviens des murs d'expression qu'on avait posés dans le cas des attentats par exemple, qui moi j'étais à l'époque dans un lycée professionnel où ça s'était traduit soit par l'empreinte phrase d'auteur, soit par des dessins, des chansons, enfin mais pas par une expression littéraire, j'allais dire très clairement. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Hélène? Est-ce que ces solutions-là d'expression, de dire son ressenti, de le partager, d'essayer d'en faire un peu une synthèse à l'échelle d'un établissement, est-ce que ça vous semble quelque chose de préconisable, ou on a un peu tendance à penser que c'est comme une boîte de Pandore qu'on ouvrirait et qu'il vaut mieux qu'elle soit fermée? Je suis un peu caricatural, mais c'était pour poser la question. Mais la caricature, des fois, elle permet aussi de bien poser les choses, donc c'est pas plus mal. Ce que l'on sait, ça vraiment, on le sait, sur des grosses catastrophes, il y a eu les attentats, il y a des morts en établissement scolaire aussi exceptionnel, mais qui existent, et on a aussi beaucoup appris de ce qui aidait. La ritualisation va aider à différents niveaux. Elle aide parce qu'elle permet de ne pas rester dans un état passif. La pandémie, ce fichu virus… Hélène, excusez-moi, mais pour ne pas être sûr, moi, ne serait-ce qu'à mon niveau d'humour, est-ce que peut-être vous pourriez nous préciser ce qu'est la ritualisation Parce que là encore, c'est peut-être un mot qu'on utilise, qui est rentré dans notre vocabulaire professionnel, mais je ne suis pas sûr qu'on en mesure tous les enjeux. Je vais le reformuler autrement. Quand on est confronté à quelque chose de traumatique, comme la pandémie, parce que ça nous confronte à la mort de façon plus ou moins proche, mais je pense que votre webinaire peut aussi servir sur d'autres situations difficiles auxquelles vous pouvez être exposé, même si c'est rare en dehors de la pandémie, des décès violents au milieu scolaire, ça peut arriver. Quand on est confronté à un événement traumatique, le temps, il est suspendu. Il y a un temps hors temps. D'ailleurs, on a beaucoup de mal à se repérer chronologiquement. Et ce que l'on sait, c'est que pour se dégager de ce temps traumatique, il y a plusieurs petites pistes. C'est des petites pistes, et pour chacun, on s'ajustera, mais on sait que ça fonctionne. Repenser la chronologie permet à chacun de se resituer dans le temps. Et ça peut prendre différentes formes, on pourra en parler. Ritualiser au sens où on va faire quelque chose de cet événement. Il y a eu les attentats, mais je pense à d'autres décès où des enfants ont fait des fresques, des enfants de chaque classe sur un petit oiseau ont écrit des choses, ont dessiné. Il y a eu des livres qui ont été faits, il y a eu des poèmes. À chaque événement traumatique, on a vu la créativité au pouvoir, chaque classe faisant des choses différentes. Et les attentats sont un exemple dramatique, mais de la maternelle au lycée professionnel, moi j'étais sur Paris à cette période-là et la mairie de Paris m'avait demandé avec Thierry d'intervenir, Thierry Bobet, on a vu combien les établissements scolaires avaient fait quelque chose de cet événement, ritualiser les choses, redonner du sens. Et l'autre enjeu, c'est que face à l'événement traumatique, on est passif, impuissant. La pandémie, elle nous est tombée dessus. Personne n'aurait évalué ça il y a 10 ans. On a bien vu que nos politiques faisaient ce qu'ils pouvaient, avancer au fur et à mesure du virus. Vous aviez des injonctions des fois le lundi ça, lundi soir autre chose. On met pas le masque, on remet le masque, on ne va pas en reparler. Mais la discontinuité, elle a été majeure. Et psychiquement, un individu et surtout un enfant, il a besoin d'une continuité. Et être dans l'action, c'est-à-dire faire des choses. Et pour chacun, ça sera différent. Et je pense très important ici d'échanger, de dire voilà, il y a différents possibles, un peu comme une palette. Il y a différents possibles. Chacun va se l'approprier en fonction de qui il est,
ce qu'il est, et je trouve très important ce qui a été dit sur la notion d'équipe. On est une équipe dans un établissement. Il y a chef d'établissement, il y a l'ensemble des personnels qui interviennent, il y a les enfants et les parents, dans un contexte qui a été particulièrement déstructurant au sens où il a bouleversé l'équilibre habituel et la représentation sociale de l'école très rapidement. Moi, je l'ai vu avec les parents et l'évolution entre la pandémie de mars-avril 2020 et aujourd'hui. Il y avait cette idée dans l'inconscient collectif qu'à l'école, il n'y a pas de drame. L'école est protégée. Alors, les écoles ont été fermées. Et quand on a rouvert les écoles avec les contraintes sanitaires qui font que certains enfants ont dit on a transformé l'école en hôpital. Hein, moi, j'ai eu des petits qui disaient ça. De ne pas comprendre, de pas... L'école n'était plus l'école. Elle était contaminée du fait des contraintes sanitaires qui se comprennent, mais contaminée par toute cette pandémie. Et il y a eu quelque chose dans l'inconscient collectif familial et social de l'école préservée de tout ça, qui là est venu totalement effracter nos représentations. Et c'est aussi quelque chose qui insécurise socialement l'école. Et je pense que c'est important de le savoir, de ne pas être dans le déni. Comment on va rebâtir l'école ? La résilience, c'est aussi ça, c'est de ne pas être dans le déni. On est dans la réalité. Il y a la réalité des élèves qui peut être différente de la vérité au sens matériel, des politiques, de ce qui est décidé au niveau des circulaires, des ministériels. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'on a appris de cette période particulièrement longue ? Alors, si j'entends bien, et je pense qu'il y a, moi, il y a quelque chose qui fait écho, c'est effectivement le fait que même l'école était le lieu de contamination. Il y a eu au moins deux périodes, la période récente, mais aussi la première période, où je me souviens que des adolescents étaient inquiets de pouvoir être porteurs sans le savoir de quelque chose de très dangereux pour leurs grands-parents, par exemple, et qu'on était dans des discours qui pouvaient être presque culpabilisants, involontairement, bien sûr. Mais je pense qu'il y a cette question-là qui est à la fois une question collective et individuelle. C'est-à-dire que je peux moi-même être dangereux pour les autres sans le vouloir, et je peux, à titre collectif, aller dans cette école qui est normalement le lieu qui m'élève, alors que c'est le lieu où je peux à revenir avec le danger. Je pense qu'il y a de cette symbolique-là, et même pour des adolescents, importante. Ce qui m'a amené un peu à cette question, Laurent, et je trouve qu'il y avait la remarque de Marie-Hélène qui me semble intéressante, qui était la difficulté du déni, c'est que par définition, il ne se nomme pas. Enfin, j'allais dire, on n'a pas, c'est pas comme la varicelle, à la limite, on a, on a des boutons. Et que comment savoir ce qu'on n'est pas dans le déni ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait des signaux, Laurent, je ne sais pas ce que tu en penses, ou Hélène, qui serait de dire, comment savoir, là encore, on est dans l'action, mais est-ce qu'en réalité, je suis peut-être caricatural quand je le dis comme ça, mais est-ce la bonne façon d'agir, peut-être aussi. Moi, j'ai un exemple qui m'est venu en tête en écoutant Hélène, justement. D'abord, la première manière de ne pas être dans le déni, c'est de multiplier les espaces où les gens peuvent s'exprimer, c'est-à-dire y compris dire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord en tant que chef d'établissement, ce qui n'est pas forcément agréable, mais ce qui est très utile. Et puis que, enfin voilà, chacun puisse exprimer sa sensibilité, ses émotions. On en reparlera, je pense, Hélène, au fur et à mesure de ça, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui dans l'institution scolaire, gérer les émotions, connaître ses émotions, mais on n'est pas très bien outillé, ni les adultes, ni les élèves, sur ce sujet-là. Mais je me souviens que quand on a démarré sur le premier confinement, on faisait des temps de réunion à distance hebdomadaire avec les collègues, et on a démarré, comme dans tous les établissements, sur les chapeaux de roue, en donnant beaucoup de travail aux élèves, beaucoup trop. Et puis certains collègues expliquaient comment ils faisaient des classes virtuelles où ils avaient plein de monde dans leur classe virtuelle. Et d'autres collègues m'ont fait savoir indirectement qu'ils étaient très mal à l'aise parce qu'en fait, soit ils n'arrivaient pas à faire des classes virtuelles, soit ils faisaient des classes virtuelles, mais ils n'avaient pas tant d'élèves que ça. Et ils avaient l'impression qu'il y avait une espèce de... Enfin, ils étaient inhibés par l'apparente réussite de leurs collègues. Et on a tenu compte de ça et on a essayé de se dire, mais en fait, il n'y a pas de règle d'or, il n'y a pas de faire du numérique absolument, si on n'est pas compétent, et Dieu sait que l'institution ne l'était pas au démarrage. Il y a de l'espace aussi pour téléphoner aux familles, il y a de l'espace pour faire des choses écrites que les certaines familles, alors les premières semaines, on n'imaginait pas, puis ensuite, on s'est libéré un peu.
des enfants qui n'avaient pas d'ordinateur. On avait des classes du PE2A, donc les enfants n'avaient pas d'ordinateur à la maison. Et ben, on a fait venir la famille ou l'élève pour venir chercher du travail qui était fait sur papier. Et collectivement, on a dit, ben, en fait, la richesse, c'est les différentes réponses. Donc, pas de déni sur « oui, tout le monde fait du numérique, c'est pas vrai ». En revanche, voilà, si vous êtes plus à l'aise sur le fait de passer un coup de fil à la famille, dans la période qu'on a traversée, c'est pour moi au moins aussi important que d'avoir donné du travail, parce que ce qu'on a essayé de faire, c'est de maintenir le lien, en fait, entre nous et avec les élèves. Et j'ai l'impression, avec le recul, que ça, c'est quelque chose qu'on a réussi, sur lequel on s'est appuyé ensuite quand il a s'agit de faire des retours, des reprises, et sur lequel on s'appuiera encore pour construire la fin d'année et la rentrée prochaine. On a y compris des outils institutionnels, enfin, que moi je considère extrêmement importants, la CHS par exemple, la commission hygiène et sécurité. Je réfléchis en ce moment, et j'en parlerai avec les collègues, de faire un questionnaire à l'ensemble de la communauté éducative pour savoir ce qu'ils retiennent de cette période, ce qui leur a manqué, ce qui a été positif, et de voir comment est-ce qu'on pourra construire ensemble à partir de ces éléments-là, sachant qu'on ne pourra pas tout faire, mais au moins faire en sorte qu'il y ait le plus d'expressions possibles, y compris d'opinions qui ne sont pas forcément majoritaires, ou que les gens puissent exprimer leurs difficultés. Je pense que ça, c'est très important. Oui, Hélène, vas-y. Non, c'est juste pour dire que, alors, c'est en tant que psy, mais mettre des mots, c'est vraiment fondamental. Alors, des fois, c'est avec des dessins, etc. Mais il y a eu tellement d'émotions, tellement de choses auxquelles personne s'y attendait. Il faut quand même le dire, hein, c'est quand même ce qui s'est passé. Il n'y a aucun politique qui l'avait prévu sur cette ampleur-là. Arriver à mettre des mots dessus, arriver à avoir des espaces pour en parler, et ce n'est pas si simple que ça. Ça, parce que c'est quelque part un peu plus confortable, et c'est important de le dire, de faire l'autruche en disant « hop, la vie d'avant, ça c'est le déni, ça ne s'est pas passé ». Mais la vie d'avant, on l'a vu malheureusement sur des drames dans des établissements quand il y a eu des décès, si je reste sur le milieu scolaire, on sait très bien que ça ne sera plus jamais comme avant, ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas possible. Mais être dans le déni, c'est de dire « on retourne à la vie d'avant comme s'il ne s'était rien passé, psychiquement ». On sait très bien que ça n'est pas vrai. Les enfants ont été impactés, les familles ont été impactées, les professionnels ont été impactés par tous ces bouleversements-là, par tous les deuils au sens de perte, la perte de repères, la perte de ses élèves en présentiel, ses apprentissages de visio, distanciel, etc. Cette autre façon d'apprendre, l'insécurité, les injonctions paradoxales des institutions, les décisions qui tombaient, qui retombaient contre décisions. Enfin, il y a quand même eu un contexte très insécurisant. On a appris de ça. Et c'est important de s'autoriser de se dire et de trouver des espaces. Ça peut être par des temps d'échange, de discussion, ça peut être par des écrits. Chacun trouvera dans son établissement en fonction de des équipes, parce qu'il y a des équipes il y a des grands établissements, des petits établissements, on sait très bien que les dynamiques changent, mais de trouver des espaces pour mettre des mots dessus et de ne pas remettre la chape de plomb. Je ferai juste un dernier point sur, en tant que psy pour le coup, le retour à la normale, pour avoir travaillé en soins palliatifs avec des enfants qui décédaient et certains qui étaient en rémission, le mot « anormal », il y a une précaution à avoir parce qu'on peut l'utiliser là, L-A, plus loin, normal, mais L apostrophe, anormal. Donc, le retour à la normale, ça sera important de bien expliciter ce qu'on entend par là. Oui, mais j'entends bien, et ça me fait juste une remarque que je trouve toujours intéressante, c'est que en fait l'autruche, je crois, ne se cache absolument pas, mais je crois qu'elle creuse en fait son nid et que c'est elle se protège, et puis je crois qu'en réalité elle prépare même son nid, et que c'est peut-être ça aussi la résilience humaine, c'est-à-dire quelque part cette capacité qu'a l'humain quand on regarde un peu son histoire à résister, à réinventer face à des catastrophes. Soit humaine, soit naturelle, je ne sais pas comment on peut le dire, et c'est peut-être ça, cette dimension de ce que serait l'humain, c'est cette capacité à inventer collectivement des solutions. Ce qui m'amène peut-être, j'ai l'impression qu'on est un peu à la fin d'une première phase, qui était de dire, effectivement,
nous devons, quelle que soit la difficulté de l'exercice, quel que soit là encore le fait que la partition n'est pas écrite, faire un peu ce bilan, montrer notre attention pour chacun, parce qu'on peut très bien imaginer que certains l'ont vécu, on y reviendra peut-être en fin de webinaire, mais à des intensités différemment, et pour nous aussi, j'allais dire manager à un moment donné de l'éducation nationale. Mais là, je pense qu'on peut peut-être se dire comment, non pas revenir à la vie d'avant, mais comment on invente du nouveau et comment on écrit une nouvelle partition. Je ne sais pas si c'est la bonne, ou comment on improvise. Je ne sais pas, Laurent, ce que tu en penses. Et comment on se situe par rapport au temps? Est-ce qu'on improvise? Est-ce qu'on écrit une nouvelle partition? Comment ça se passe dans ton collège? Alors, je crois que, enfin, je ne suis pas musicien du tout, mais je crois que pour improviser, il faut déjà avoir une très très bonne maîtrise technique, si j'ai bien compris les choses. Muriel dans le chat dit ce retour à la vie d'avant, même si c'est du déni, n'est-il pas le souhait plus ou moins conscient de certains? Bien sûr, et nous y compris. Je pense qu'il faut s'inscrire, pour filer la métaphore musicale, dans un temps long, c'est-à-dire qu'il va falloir que nous on apprenne aussi en tant que responsable de l'établissement et avec les collègues à sortir du rythme de l'année scolaire. À la fois, il existe et il va continuer d'être là, de scander sa façon de rythmer la vie, c'est-à-dire les semaines, les week-ends, les vacances scolaires. Mais il faut créer des espaces là pour finir l'année, construire la rentrée et ne pas oublier à la rentrée de maintenir des espaces dont les gens s'empareront ou non. Ce qui sera d'ailleurs assez bon signe, c'est s'ils s'en emparent pas, ça veut dire qu'ils en ont pas besoin. Mais laisser des espaces où les personnes au sens large, y compris les élèves individuellement ou en groupe, peuvent parler. Parce que là, je pense que Hélène nous le rappellera, mais le trauma, il frappe à un instant T, mais ses conséquences ne sont pas forcément visibles à l'instant T. Il y a des choses qui peuvent être réactivées à d'autres moments, révélé à d'autres moments, et ça rend effectivement notre tâche assez complexe. Mais je pense que la première des choses, c'est de s'inscrire dans une temporalité longue et en même temps de faire en sorte que le rythme habituel, il est protecteur et il revient au rituel dont on parlait tout à l'heure, il est contenant. Et voilà, et je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir ces deux logiques. En fait, si on fait le parallèle avec ce qu'on sait, ce qu'on connaît, parce qu'il y a quand même des choses qu'on connaît. Quand il y a des drames en établissement scolaire, des morts à l'école, alors soit individuels, intentionnels, des décès suite à des agressions, il y en a eu deux en France, enfin trois mais récemment, mais c'est exceptionnel. Des décès accidentels, il y en a eu récemment avec les enfants en voiture là sur un étang du côté d'Épinal. Des morts par suicide, des morts par immolation. Enfin, les morts, ça existe en établissement scolaire, même si c'est rare. Ça peut concerner des enfants de tout âge, des adultes, des parents. Et là, on sait quand même ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Ce qui fonctionne, c'est d'offrir des espaces sans les imposer. Ça, c'est très important. Pour pouvoir parler ou s'exprimer, alors, ça peut être des grands murs où on met des choses, ça peut être avec des surveillants qui vont être là et qui vont aider les enfants à écrire. Ça, mais c'est proposé, ça n'est pas imposé. Ce que ne supportent pas les enfants, et ça c'est contre-productif, c'est les obligations de groupe de parole. Par exemple, ça on sait que c'est vraiment aidé, on les propose. C'est pareil pour les adultes. On propose, que ça soit dans l'établissement ou à l'extérieur, des espaces pour parler, des fois seuls, des fois ensemble. Il va falloir proposer différents modèles sans les imposer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui fonctionne, c'est dans le temps, en effet, comme le disait Laurent, parce que certaines fois, on va mettre tout de suite, parce que oui, c'est l'urgence. Alors, sauf que là, ça fait 2 ans que ça dure, donc on ne sait plus tellement comment gérer l'urgence. Mais sur des cas de décès, on sait très bien que le T0, où ça se passe, on fait des choses, et que c'est certaines fois 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard qu'il risque d'y avoir des besoins. Et là, en tant que chef d'établissement, c'est difficile de l'entendre, mais c'est important qu'on soit parent aussi, c'est important de le savoir. La génération Covid, entre guillemets, ces enfants qui ont, par exemple, arrivent en primaire, qui n'ont connu que ça. Les enfants qui ont passé le brevet des collèges ou même le bac, moi je suis prof à la fac, et on les voit arriver en L1 et L2, c'est quand même très particulier leur rapport à l'enseignant, leur rapport au savoir. On voit que ça a parasité les apprentissages, pas forcément négativement, mais c'est plus comme avant pour le coup. Et que c'est peut-être à ce moment-là qu'ils auront besoin, dans 5, 10, 15 ans, de parler, de s'exprimer, au moment où ils vont être ados, avoir la peur de la vie parce qu'ils deviennent adultes.
la pandémie, les angoisses de la pandémie qui peuvent revenir. Ce n'est pas que ça va revenir, ça peut revenir. 30% des cas sur l'ensemble des études. Donc, ce n'est pas automatique, mais il faut pouvoir y penser. Autrement dit, si dans 10 ans, vous avez dans vos classes des élèves qui ont du mal à se concentrer, qui ont du mal à être attentifs au mois de mars, avril, bah, peut-être que cet enfant, il aura perdu il y a 10-15 ans son père à la même période et qu'à ce moment-là, il va s'effondrer. Ne pas le banaliser. Ça va être important de penser la temporalité pour éviter de passer à côté de situation. Parce que souvent, on fait beaucoup en urgence et après, on a vite envie de passer à autre chose. Et ça se comprend, c'est la force de vie. Mais le déni, c'est justement, on passe à autre chose avec les repères de la vie d'avant. Il ne s'agit pas de dire la vie d'avant, on défait tout. On utilise ce qu'il y a de positif sur la vie d'avant pour construire une vie d'après. Mais pas de retourner en disant, on va revenir à l'état initial. C'est pour ça que la résilience, c'est un mot. On est prudent parce qu'en psy, on ne revient jamais quand on a été traumatisé à la vie initiale. Mais on peut construire une vie après, à partir de toutes ces épreuves-là. Oui, tout à fait. Je lisais un peu, Muriel dit qu'effectivement, ça fait 3 années là, quelque part, que la dégradation dure si on prend les années scolaires. Et c'est très clair et à tous les niveaux. Moi, je discutais encore la semaine dernière avec quelqu'un un vice-président d'université qui me disait qu'effectivement, à l'échelle de l'université, à la fois, ils sentent tout à fait qu'il y a des éléments, que mesurer ce que ça peut représenter, ne serait-ce que statistiquement ou en termes de résultats, de validation de semestre, etc., c'est loin d'être simple d'avoir des indicateurs précis, mais que dans le même temps, il faut rester à l'écoute. Ce qui m'amène, hein, je pense, à la fois pour les jeunes, mais aussi pour nos collègues enseignants et autres, hein, bien sûr. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant sur des choses sur lesquelles on l'était peut-être pas obligatoirement, même si je pense qu'on en prend l'habitude de plus en plus. C'est aussi tout ce qui est affichage des numéros relais, j'allais dire, parce que tous les collègues n'osent pas obligatoirement évoquer leur mal-être dans l'établissement, dans la communauté même de l'établissement, et ça peut tout à fait se comprendre. C'est pas obligatoirement un signe de méfiance d'ailleurs vis-à-vis du collectif, mais plutôt je pense un besoin exprimé par certains. Et même chose pour les élèves, je pense qu'il y a des enjeux et que ne serait-ce que ce premier niveau de réaction qui fait que on n'a pas le sentiment d'être seul est quelque chose qui est important. Le deuxième, moi, il me semble aussi, c'est cette réflexion sur le collectif, comme le disait Laurent. Et j'avais envie de demander à Laurent si cette crise, quelque part, elle n'a pas renforcé le fait que c'est bien au niveau du collectif, de l'établissement, que sur ces questions-là, on peut réfléchir aux solutions et que donc il n'y a pas un protocole qui serait national, mais plutôt une autonomie de l'établissement à penser. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Clairement, clairement, parce que ce qu'on entend dans nos réseaux, c'est-à-dire qu'on sait bien aussi qu'il y a des équipes de direction qui ont flanché parce qu'on est fait de la même matière humaine que tout le monde et qu'il y a eu des endroits où les collègues n'ont pas forcément réussi à faire face pour des raisons X ou Y et que du coup, ça a créé un très grand désarroi dans les équipes enseignantes parce qu'il n'y avait pas de communication, parce qu'il n'y avait pas de cap. Donc là-dessus, effectivement, c'est extrêmement important. Alors, il se trouve, j'ai eu la tristesse de vivre un accident mortel d'élève dans l'enceinte de l'établissement et d'être accompagné par l'institution. Et effectivement, à un moment donné, il y avait des cellules d'écoute parce qu'il y avait des collègues qui avaient été et des enfants qui avaient été plus ou moins exposés. Finalement, assez peu de gens, mais quand même, c'est comme les ronds dans l'eau, c'est-à-dire qu'il y a l'endroit où la pierre est tombée et puis les ronds tout autour. Et il y a des gens qui étaient assez loin en périphérie, mais pour qui ça pouvait réactiver des choses, et d'autres qui avaient été assez proches, mais qui finalement était sur le moment plus solide. Donc, on a développé les cellules d'écoute et une des paroles importantes à prononcer, je pense, quand on est chef d'établissement, c'est aussi de dire aux gens de s'en emparer. Après, ils font ce qu'ils veulent et tu as bien raison hein, de dire qu'il faut afficher des numéros et laisser la liberté aux personnes de régler ça aussi en dehors de leur cadre professionnel. Mais on est une posture qui est regardée hein, à partir du moment où on est chef d'établissement et de dire voilà, moi j'y vais parce que j'en ai besoin. Ça rend aussi chacun la possibilité d'être acteur de cette démarche parce que c'est très difficile, y compris quand on n'est pas bien, d'aller parler. Hein. C'est pas quelque chose de forcément évident entre trouver les espaces pour le faire et trouver à l'intérieur de soi l'espace pour s'autoriser à aller parler. Et en ce sens-là, je pense que c'est important qu'on puisse le dire. Et oui, il n'y a pas de protocole, et tant mieux. Parce que justement, c'est l'ensemble du collectif qui va trouver ses réponses.
C'est pour ça qu'il faut. Après, on a des instances, j'en parlais tout à l'heure. On a des outils qui sont intéressants. Nous, on s'en est servi l'année d'après. On a fait une enquête locale de climat scolaire. C'est un process qui existe au niveau des académies. Laurent, si je peux me permettre, je ne sais pas s'il y a des collègues étrangers, mais il y en a parfois dans nos webinaires. Voilà. Je vais expliquer ce que c'est. Donc, c'est un dispositif. À l'origine, il questionnait les enseignants, tous les adultes et les élèves. Et maintenant, il y a la démarche aussi de questionner les familles, les parents d'élèves. Donc, c'est un questionnaire assez long à faire, 3/4 d'heure pour les élèves, à peu près l'équivalent pour les adultes, qui prend en compte l'ensemble de la vie dans l'établissement, les trajets, les sentiments de sécurité en classe, dans les couloirs, dans les circulations. Enfin voilà, c'est vraiment essayer d'avoir une photographie du climat scolaire. Et ça, c'est des outils qu'on peut utiliser aussi pour justement avoir une vision fine. Ça répond un peu à la collègue tout à l'heure qui disait: j'arrive sur un établissement où je connais pas les gens, je connais pas l'histoire. Ce qui est vrai, c'est que parfois on est nommé, on arrive sur un établissement et c'est difficile d'avoir des repères. L'enquête locale de climat scolaire peut être un très bon outil. Et puis c'est des choses qu'on peut construire aussi de manière plus simple avec ses équipes. Hein. C'est essayer de se questionner en fait sur. On revient tout à l'heure ce que disait Hélène, c'est qu'est-ce qui nous est arrivé, qu'est-ce qu'on en fait. En fait, c'est voilà, on a fait face. Et maintenant, on est dans le « et ». Alors, on aimerait aller un peu vite, tu le disais, Pascal, enlever nos masques, ça ne saurait tarder, mais il faut tenir encore un peu. Et puis, voilà, se projeter sur cette fin d'année, construire la rentrée prochaine. Et c'est là où on a des choses qui sont à construire en établissement, mais il y a aussi des réponses institutionnelles. Enfin, voilà, l'enquête locale de climat scolaire est un outil. Et ce qui est intéressant sur les enquêtes locales de climat scolaire, c'est que ça explicite des choses différentes entre ce qu'on imagine, ce que les élèves perçoivent et ce que nous on perçoit. Et que, alors, trouver les enquêtes de climat scolaire, là, c'est au niveau académique que vous pouvez les demander, ou au niveau départemental suivant l'organisation. C'est souvent l'équipe des IPR établissements et vie scolaire ou les proviseurs vie scolaire sur les départements ou sur les académies. Il y a une question importante de Véronique Martin. Voilà, alors après, je voulais effectivement y venir, mais toujours sur cet écart entre la perception des uns et la perception des autres. Et on sait très bien aussi que dans nos établissements, entre autres, les représentants vont parfois prendre une parole, par définition, c'est leur rôle, mais qui ne représente pas par la multitude des réactions. Et ça m'amenait effectivement à la question de Véronique, qui est aussi un peu parfois. C'est, d'abord, peut-être Hélène, nous repréciser, parce que je crois que vous avez les éléments sur le protocole d'intervention en cas de crise, parce que je sais que moi plusieurs fois on m'a dit mais il y a une cellule qui vient, ils sont super bons, mais alors ils s'en vont. On a le sentiment d'avoir été que le parachute vient de s'enlever alors qu'on est à 3 mètres du sol, mais on n'est pas au sol encore. C'est un peu ça l'idée. Et deuxièmement, quelle réaction, quel conseil on peut donner? Je vais répondre juste avant, parce que je pense que ça peut aussi donner à réfléchir peut-être aux collègues. Ce qui a été fait par moi, je suis pas mal intervenue pendant la pandémie auprès d'enseignants chez d'établissements, entre autres ceux situés à l'étranger. Et je crois que c'était en Turquie un chef d'établissement qui avait mis en place quelque chose. Avec ses classes, c'était un journal des émotions. En fait, il distribuait à tous les élèves le matin un petit support avec des émoticônes où les élèves pouvaient mettre leurs émotions et plus s'ils voulaient. Et lui, ça lui permettait de voir le décalage entre le ressenti des élèves. C'était vraiment une image de sa classe. Alors, ça prend du temps, c'est sûr, mais peut-être qu'il faut aussi revoir. Pour moi, ça fait partie aussi du temps d'apprentissage, les émotions, d'avoir des espaces pour en parler et des supports différents pour en parler. On peut le faire aussi avec ses collègues en sachant que c'est toujours déclaratif. Alors, pour répondre à Véronique, on a intra-éducation nationale, ce qu'on appelle les centres ressources académiques, qui dépendent normalement dans les textes du médecin conseiller technique de l'académie, qui fonctionnent différemment selon la France. Paris fonctionne d'une certaine façon, d'autres départements d'une certaine façon. Donc, on a 3 modèles parisiens, passera rapidement. D'autres modèles où, a priori, les professionnels qui vont intervenir sont des professionnels de l'établissement. Ce n'est pas le meilleur dispositif, parce que si vous êtes l'infirmière scolaire qui a réanimé l'enfant, vous n'êtes pas du tout disponible pour faire un groupe de parole. Donc, ça, c'est un peu un énorme problème. Donc, c'est assez rare. Et majoritairement, les centres ressources académiques
sous la responsabilité du médecin conseiller technique, des fois l'assistante sociale ou l'infirmier, mais dans les textes, c'est le médecin. C'est avec des équipes de professionnels de l'éducation nationale, médecins, infirmiers, assistantes sociales, conseillers d'orientation psychologue, psychologues de l'éducation nationale, qui vont intervenir dans un autre établissement que le leur, parce qu'ils ne sont pas impliqués. Et pour un temps restreint, l'idée, c'est une semaine maximum. Alors là, la pandémie, vous voyez bien, c'est un peu plus compliqué. Les attentats, ça a duré plus d'un mois, donc on s'ajuste. Ça, c'est le dispositif intra. Et on voit bien qu'avec la pandémie, tout le monde est sous l'eau parce qu'ils n'ont plus le temps, plus de moyens. La médecine scolaire est quand même en état palliatif pour le moins, donc c'est compliqué. En dehors de ça, on a le dispositif, on va dire, ministère de la Santé, qui sont les cellules d'urgence médico-psychologique, les CUP, dont parlait Laurent, qui dépendent des SAMU, hein, c'est les SAMU-PSY, qu'on sollicite en appelant le SAMU, le 15. Quand il y a un mort dans l'école, le SAMU est prévenu, la CUP est prévenue. Mais la CUP, c'est quoi? Derrière l'affiche, c'est un mi-temps psychiatre, un mi-temps psychologue ou un infirmier et un mi-temps secrétaire. Sur un département comme la Seine-Saint-Denis ou le Val-de-Marne, c'est rien. C'est rien. On a 5 ou 6 événements traumatiques par jour. On ne peut pas. Donc, globalement, très souvent, on ne peut pas aller. Donc, on va donner des conseils. On essaie de se rendre. C'est pour ça qu'on a beaucoup formé sur le rectorat de Créteil, les EMS, les équipes mobiles de sécurité à la prise en charge parce qu'on n'a pas les moyens matériels de le faire. On a une équipe de volontaires. Mais si on prend, par exemple, les rapatriements aéroportuaires des enfants adoptés d'Haïti, moi, pendant 5 semaines, j'avais 35 personnes tous les jours à mobiliser. Volontaire. Donc, c'est sûr que les gens, au bout d'un moment, ils sont épuisés, on n'a plus de moyens humains. Donc, les cellules d'urgence, c'est pour ça que très souvent, on les sollicite, elles ne sont pas disponibles, malheureusement. Mais il y a, mais ça, je passerai un diapo, il y a un support qui s'appelle, qui peut être un support, le C2NR, qui est le Centre National de Résilience, qui permet d'avoir des adresses, au moins des adresses possibles de consultation possible, de prise en charge possible, et les référents des CUMP, en sachant qu'un psychiatre de la CUMP, s'il ne peut pas intervenir à T0, il faut quand même savoir que dans nos missions, on a à intervenir, c'est dans nos missions, pour le débriefing éventuel des collègues de l'éducation nationale qui sont intervenus au moment à T0, sinon on n'y était pas. Mais ça, malheureusement, ça ne serait pas en amont. Alors, on est entre nous, on est nombreux, mais on est entre nous. Il y a des représentations de l'éducation nationale qui sont particulières. Moi, j'ai travaillé à l'éducation nationale sur les dispositifs relais avec l'inspecteur Ringard sur l'Académie de Nantes il y a quasiment 25 ans. Je connais très bien cette institution. J'ai aucun problème pour y travailler, pour y intervenir. Ce n'est pas le cas de nombreux collègues qui sont assez résistants, réticents, défiants à l'égard du monde scolaire. Donc, ça dépend aussi des référents des CUP. Mais quand ça n'a pas été possible, il est quand même important, là, pour la remarque qui était faite pour la famille, même pour les collègues, d'essayer de voir soit avec l'équipe de la CUP, soit avec l'AMGEN, où il y a les réseaux PAS, certaines fois des psychos que nous, on a formés pour la plupart, qui peuvent aussi, certaines fois, proposer des interventions ponctuelles. Et les secteurs, intersecteurs, normalement, ont dans leur mission, la nécessité d'intervenir en milieu scolaire, sauf que tout le monde est sous l'eau, il n'y a plus de moyens. Alors, c'est dire, moi je pense que effectivement le conseil qu'on peut donner, c'est surtout ne pas hésiter à poser des questions. Et je rappelle qu'il y a les professeurs vie scolaire, alors pour l'avoir été au niveau académique, le conseil qui est maintenant qui s'appelle conseiller technique, établissement et vie scolaire. Hein, si on cherche, il y en a un par département et un au niveau académique. Ne pas hésiter effectivement à les solliciter. Et eux, normalement, leur mission, c'est bien d'avoir repéré les personnes et participer à la dynamique de définition des priorités, même si là, comme Hélène le disait, la situation est tellement particulière que tout le monde est touché, tous les établissements. C'était très clair, mais surtout, deuxième point, moi je rappelle aussi, et ça fait partie des choses qui peuvent bien fonctionner, mais que face à des événements, j'allais dire, graves, là c'est plus quand c'est possible, mais avoir un collègue avec qui on échange, voire même un collègue qui connaît bien le métier de chef d'établissement, par exemple, et qui va venir en appui, qui va être là simplement pour essayer de se mémoriser de ce qui se passe dans la journée, enfin poser des choses et ne pas rester seul par rapport à ça et l'affronter avec d'autres pairs.
Laurent parlait effectivement des équipes de direction ou d'encadrement, c'est-à-dire que souvent, ça peut gérer collectivement cet aspect, ne pas se retrouver seul à assumer tout et avec cette difficulté de garder un peu en mémoire de ce qui a été fait dans la journée. Mais le penser sinon avec d'autres collègues, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut aussi se poser, parce que c'est vrai qu'on le remarque, hein, il y a en ce moment, alors peut-être pour plein de raisons, et moi je suis absolument incapable de les analyser, mais en revanche, ce qu'on constate, c'est que des collègues qui sont fatigués, qui ont besoin de s'arrêter, de se poser, qui sentent, je sais pas si le terme de saturation cognitive correspond à une réalité, Hélène pourra nous le dire, mais voilà, je pense que ça fait partie des choses qu'il faut absolument assumer, je dirais très clairement. Moi, j'aime bien la métaphore marine, un capitaine, il prend pas tous les quarts et il traversera pas l'Atlantique si c'est l'Atlantique en prenant tous les quarts, enfin sauf s'il est tout seul sur son bateau, mais sinon quand il y a du monde, faut savoir partager. Et c'est peut-être ça aussi, je pense qu'en termes de résilience, il faut qu'on apprenne à faire peut-être un peu plus dans nos établissements. Et quand je le dis, c'est que derrière l'incertitude, comme le disait Laurent, si le cap est assez clair sur ce qu'on fait, ça peut rassurer les équipes de leur dire, mais en fait, on va partager les choses. Moi, j'ai vu sur des incidents majeurs, les équipes s'en emparer avec une grande volonté positive à ce moment-là, comme on le disait, parce que sauvegarder l'école. Voilà. Il y a vraiment une nécessité d'avoir confiance. Alors c'est facile, hein, c'est facile à dire, mais alors moi je le dis avec le recul, mais j'ai été très surpris du soutien de l'ensemble de l'institution au travers de ce que j'ai vécu, y compris de l'intervention de la CUMP qui avait très précisément dit on est là 3 jours et ce sera pas plus parce que de toute façon c'est le protocole et après on s'en va. Ce qui était troublant, mais c'était comme ça. Et puis là, par rapport à ce qu'on traverse, pour revenir sur une sortie de crise collective, puisqu'elle touche l'ensemble de la société, on n'aura pas de réponse d'écoute adaptée à l'ensemble des réalités des établissements scolaires. Pour autant, il ne faut pas se décourager et il faut voir comment justement on construit des choses. Il y a la logique de l'établissement avec les équipes, mais il y a les logiques, effectivement, Hélène le disait, des bassins d'établissement et de mutualisation à un moment donné. C'est peut-être mieux que ce soit une infirmière, effectivement, qui n'ait pas été impactée par ce qui s'est passé dans l'établissement, qui vienne à un moment donné faire une cellule d'écoute. Dans l'institution, effectivement, les conseillers techniques, établissements et vie scolaire, il ne faut pas hésiter, en fait, quand on est en difficulté, y compris dans le management, parce qu'il y a une culture encore aujourd'hui trop forte de dire je serre les dents, je vais gérer tout seul, je vais y arriver, faut pas dire qu'on n'y arrive pas. C'est pas vrai, en fait c'est pas vrai et c'est pas professionnel de dire ça. Aujourd'hui, devenir professionnel, c'est être en capacité de se dire là je n'y arrive pas, et vaut mieux en tant que chef se dire je n'y arrive pas et je passe le relais à l'adjoint et je fais savoir que je n'y arrive pas, que de vouloir absolument se maintenir à la barre de l'établissement et se mettre en danger et mettre l'établissement en danger. C'est difficile de voilà, c'est des postures qui sont pas faciles. Dans les outils qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle le rétex, le retour d'expérience quand il y a eu une crise, et finalement tous les établissements scolaires de France et de Navarre pourraient faire des rétex aujourd'hui dans les semaines et les mois qui viennent pour savoir ce qui a bien marché, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bien marché vraiment, et puis pour savoir ce qui n'a pas fonctionné et est-ce que c'était lié au fait que à un endroit il y avait pas d'assistante sociale, pas d'infirmière, donc évidemment le pôle médico-social était difficile à mobiliser, ou il y a eu des erreurs de fait et après tout il vaut mieux les analyser et les comprendre. Et puis pour les personnels d'encadrement, il y a de plus en plus développé la gestion de la formation à la gestion de crise majeure, qui sont des formations construites avec les services médicaux, sociaux, et qui sont de très très grande qualité. Donc ne pas hésiter aussi à s'inscrire dans des démarches de formation, parce que c'est très utile pour notre profession. Et donc là si j'entends bien, et on est plus très très loin de la conclusion, j'entends d'une part qu'effectivement, comme le disait Laurent, faire le bilan de ce qui a bien marché. Moi je sais que il y a une technique qui est beaucoup utilisée, qui est qu'est-ce qu'on garde dans ce qui a eu lieu, qu'est-ce qui serait à améliorer, qu'est-ce qui n'existe pas et qu'il faudrait créer, et qu'est-ce qu'on jette quelque part, qu'est-ce qui a été fait en pensant que c'était peut-être une bonne idée et que par l'expérimentation on s'est rendu compte que ça y était pas. Ça, je pense que le poser et que ça devienne un peu une habitude de nos rétex me paraît tout à fait quelque chose d'intéressant, parce qu'on a tellement une logique d'intelligence qui nous conduit à être critique
à l'éducation nationale au bon sens du terme, qui fait qu'on se concentre souvent sur ce qui ne marche pas. Et là, quand même, sans rentrer dans un débat politique, qui n'est pas le lieu de SYNLAB, hein, très clairement, mais on voit bien quand même que globalement, il s'est passé plein de choses extraordinaires, des signes de richesse humaine, d'empathie, de solidarité, d'élèves. Moi, je l'ai vu, j'étais à l'époque en lycée, qui prenaient en main, qui organisaient pour la classe, qui faisaient en sorte que ceux qui avaient du mal à se connecter, enfin voilà, des élèves proactifs de leur formation qui faisaient presque de la métacognition sur les outils utilisés avec les professeurs, qui était quelque chose qu'on n'avait pas vu dans certaines classes un mois avant. Donc il y a quand même toute cette dynamique-là qui est tout à fait intéressante. Et puis le deuxième point, c'est qu'on voit bien cette nécessité de s'inscrire dans un temps long qui m'amène peut-être à revenir un peu au fondement de, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de nos missions, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que l'éducation d'une part, c'est un peu la question qui nous est posée, et quel est notre rôle, comme tu le disais, de pilote quelque part à ce moment-là. Hélène, est-ce qu'il y a un risque à ce que le pilote soit trop dans la co-construction? Est-ce que ça peut être, je le dis parce qu'on est pressé par le temps, mais est-ce que ça peut être fragilisant pour une structure? Non, je pense que ça devrait être dans notre culture, justement, ça l'est pas assez, parce qu'il y a une pression extrêmement forte sur les chefs d'établissement qui s'autorisent pas, on les autorise pas à dire que c'est dur, que c'est très difficile. C'est une pression qui est quand même assez considérable, et on voit quand même des dommages collatéraux pour les chefs d'établissement et leurs proches qui sont quand même très importants et qui ne devraient pas l'être. Dans d'autres pays, dans d'autres cultures, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et la co-construction, quand elle est acquise d'emblée, elle se fait de façon naturelle. Ce n'est pas un signe de faiblesse de co-construire. Et ça, c'est vraiment peut-être à changer aussi. Et je repensais à l'idée du rétex, parce que moi, j'ai vu dans des établissements scolaires où même sur des temps, tout le monde devrait participer. Les cantines, tous les lieux sont importants. Tout ce qui s'est passé pendant les temps de confinement, de pandémie, machin, pendant les temps de repas, ça a été assez considérable de voir aussi la façon dont la ritualisation, pour le coup, comment on fait d'un repas un temps particulier pour se retrouver, parce que c'est le seul moment où on défait le masque. Qu'est-ce que chacun a appris de bien, de moins bien? Qu'est-ce que chacun a ressenti de bien, de moins bien? Si on pouvait faire un retour à différents niveaux, et pour chacun, ça sera fondamentalement singulier, parce qu'on a tous des personnalités différentes, les établissements ne sont pas les mêmes, encore une fois, mais prendre le temps de mettre des mots. Si on ne met pas des mots, on ne décrypte pas, on ne peut pas mettre en récit. Et ça, on fait mieux à plusieurs que tout seul. Donc, le risque, il est plus de s'isoler, de s'enfermer que de co-construire. Mais comme le disait Laurent, c'est une culture à avoir qu'on n'a probablement pas au départ, mais ça, c'est le problème de la plupart des chefs en France, hein, c'est très français. Et donc, si j'entends bien un peu, Laurent, je sais pas ce que tu en penses, mais ça veut dire qu'à l'échelle d'un pilote, ça veut dire qu'à la fois, il y a le rétexte établissement peut-être à penser, mais aussi, comme tu le disais, le rétexte avec ses pairs, peut-être, voire avec un expert qui viendrait faciliter les choses, ou avec un facilitateur, sur la mission même de chef d'établissement. Et c'est peut-être là qu'il y a une difficulté, c'est comment arriver à faire les deux avec l'établissement qui continue à tourner. Ouais, après, il y a des choses qui sont formelles et des choses qui sont informelles. Je pense que ce que vient de donner comme exemple Hélène, de faire aussi ça comme un temps quotidien, c'est-à-dire, c'est aussi la beauté de notre métier, parce que je suis d'accord avec Hélène, on fait un métier très dur et pas, enfin, on le dit pas assez, mais on fait aussi un métier très, très porteur de sens. D'aller déjeuner à la cantine avec les élèves, je pense qu'on est assez nombreux à le faire, et de passer du temps à discuter avec les gens, même de manière très informelle, c'est quelque chose de tout à fait possible. Et après, je crois qu'il faut essayer de développer là aussi des logiques collectives vertueuses, faire un rétex au niveau d'une équipe de direction élargie qui ensuite va aller appliquer ça aux différents services, de manière à ce que les surveillants, eux aussi, par exemple, les CPE le font avec l'équipe de direction, et les surveillants, les agents, moi je trouve qu'on les oublie trop souvent, ils sont absolument essentiels au fonctionnement de l'établissement, ils voient beaucoup de choses. En fait, on ne se rend pas compte à quel point ils observent et ils voient beaucoup de choses, et les associer à ça, c'est pour voir aussi ce qu'ils ont. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire quand on est reparti en mai 2020 et qu'on a rouvert, c'était partir de la charge de travail des agents pour créer un protocole dont que tout le monde prenne conscience, et qu'à un moment donné, on n'aille pas vers un truc qui allait soit être impossible à tenir, sachant que
les premiers protocoles étaient impossibles à tenir, on le savait. Mais il fallait vivre et il fallait faire les choses. Et on est parti du travail des agents, ça fortement soudé les choses. Et aujourd'hui, en fait, je m'aperçois que quand on fait des réunions collectives, eh ben, il y a des collègues qui disent « Ouais, non, attention, faut aussi penser aux agents. » Et en fait, voilà, notre métier, c'est de faire en sorte de n'oublier personne et de monter des dispositifs. Quand ça a marché à un endroit, ça ne marche pas forcément à l'autre. Mais en tout cas, se parler de ce qui a marché. Une autre chose que j'ai appris et que je partage, c'est célébrer les réussites. Ça en France, on n'est pas très bon là-dessus. On aime bien se flageller sur ce qu'on ne sait pas faire. Et c'est difficile. La première réunion où j'avais dit à l'ordre du jour à mes collaborateurs, on célèbre ce qu'on a réussi depuis la rentrée. Ça faisait 2 mois qu'on avait fonctionné. Il y a eu un très long blanc pendant le début de la réunion. Ça a été difficile. Moi, j'avais bien préparé, j'avais plein d'exemples, mais j'ai vu que pour certains collègues, c'était difficile de venir se dire, voilà. Et là, je pense que pour sortir de ce qu'on vient de traverser, il faut quand même célébrer les réussites parce qu'il y en a plein. Et puis, regarder là où ça a moins bien marché pour comprendre pourquoi. Peut-être on n'arrivera pas à le corriger, mais en tout cas, pour comprendre pourquoi et progresser ensemble. C'est aussi un métier où on apprend beaucoup des autres. Je trouve nos métiers de chef d'établissement, on le dit pas assez, pour sortir justement de ce que tu disais, Hélène. On est dans une vision chef pyramidale, bonapartiste, ou enfin je sais pas, il y a plein de références historiques, oui, bien sûr, qui sont encore très très puissantes, en fait, dont on se rend pas compte quand on embrasse la fonction. Et aujourd'hui, avec les défis qui sont les nôtres, on peut plus rester dans ces postures. C'est pour ça que c'est aussi l'état d'esprit de ManageEduc, c'est développer des logiques collaboratives. Ça veut pas dire qu'on n'est pas responsable, parce qu'on est responsable de nos établissements, mais on a cette idée de développer des logiques collaboratives. Voilà, dernier point, parce que j'ai vu que c'était l'heure, mais peut-être une image, parce que les métaphores, ça aide aussi les enfants et les professionnels à penser. La résilience, il fallait garder une métaphore, c'est comme un tissage, comme un tricot. Chacun a sa place, chaque maille est importante, chaque personne, chaque professionnel qui intervient est important. Qu'est-ce que les élèves peuvent nous dire, justement, des agents, du gardien, de leur prof aussi, mais l'ensemble des professionnels, chacun a sa place. On essaie de faire un maillage avec ce qu'on connaît, ce qui a marché, ce qui a fonctionné. Et oui, c'est très important de changer cette culture et d'être enfin dans une culture de la réussite. Et puis, quand ça ne va pas, on s'autorise à le dire et on ne fait pas comme si ça n'existait pas. On est capable de se remettre en cause, de revenir en arrière pour redémarrer positivement. Et l'enjeu, il est là, c'est que les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Sinon, on n'est pas là pour porter quelque chose de positif. Ils vont avoir beaucoup de mal à se construire. Merci beaucoup, Hélène, parce que pour reprendre la métaphore métallique, j'ai l'impression qu'on est un peu face à une phase de upcycling quelque part, ou de ressourcerie, c'est-à-dire qu'on a, on va pas jeter le métal, pas du tout, et qu'il y a tout un passé, et qu'il y a plein de choses, comme le disait Laurent, qu'on sait très bien faire, d'autres qu'on va devoir apprendre à faire, mais que en revanche, c'est pas la fin de l'école. L'école a résisté à la guerre de 39-45, a résisté à des enfants, voilà, dont on avait enlevé les noms et les prénoms pour qu'ils puissent rester dans l'école. Enfin, si on regarde l'histoire de l'école, il y a des, comme on avait fait un webinaire sur cette question un peu historique de l'école en 39-45, à un moment donné, face à la crise, et montré que l'école était passée par des phases déjà très, très dégradées, pour ceux qui ont travaillé aussi à l'étranger. Et je reprends l'exemple de cette résilience des pays sud-américains. Moi, je l'ai vécu en Afrique, où on voit que l'humain a quand même une capacité assez extraordinaire, je pense, de résilience. Donc, je pense qu'il faut qu'on garde cette confiance-là. Et je vois ce que disait Laurent aussi, c'était que dans les rituels, il me semble que la fête de fin d'année est un temps assez important. J'espère que la météo permettra au minimum de la faire en extérieur, mais je pense qu'effectivement, il faut, et ça aussi, ça peut se faire avec des collectifs et y associer les professeurs. Voilà, très clairement. Merci beaucoup, Hélène et Laurent, de ce temps d'échange. Voilà, j'espère qu'on aura apporté quelques idées aux autres, mais c'est toujours pour nous très, très riche de participer à ce webinaire. Sandrine nous dit formidable moment. Je vais reprendre ma formule initiale. Pour ceux qui ont repris, bon courage. Pour ceux qui vont reprendre lundi, profitez bien de ces derniers moments. Et puis pour ceux qui vont commencer lundi, dont Laurent et moi, nous. Non, Laurent, toi, tu as déjà commencé. Oui, voilà. Bon, pour ceux qui commencent lundi, dont je fais partie, bah, tonombo et à bientôt. Voilà. On t'entend plus, Laurent. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est qu'on aura d'autres vacances. Voilà. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup.
Merci. Bonsoir. Merci et à bientôt. Et donc, Guénolé, grand merci à Guénolé qui, comme d'habitude, était aux manettes et avec efficacité. Et Guénolé, ben, tu arrêtes quand tu veux.